Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur W2K20. J'espère que vous allez bien les petits loups. On est à l'épisode numéro 5, si je dis pas de bêtises, sur notre carrière et c'est vraiment super cool. Par contre, là, on s'est fait un petit peu clasher par un gâteau, par une mascotte. On a gagné notre combat, c'était très bien, mais à la fin, ça s'est pas passé comme prévu. Si vous avez loupé l'épisode précédent, bah, je vous invite à aller le voir. Et avant de commencer cette vidéo, je vous invite les petits loups à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. Et de me dire en commentaire, vu que c'est un gâteau, quelle est la date de votre anniversaire. On va y arriver. Moi, personnellement, c'est le 4 octobre 86, 33 ans. Je suis une balance, le meilleur signe astrologique. Et vous, vous êtes quel signe? Et vous êtes né quel jour? Look, I'm glad you won. I mean, you beat a legend, a WWE Hall of Famer, and that's huge. But you were out there playing with our careers just because you were too worried about a stupid dance-off, which allowed Lawler to get in your head. I'm sorry I let King bait me into that match. Just, he was saying stuff about my parents and I lost my cool. You should get that. Believe me, I do. But that's what Lawler does. He's made an entire career out of it. He had no idea you're adopted. Good thing. I'm sure he would have had a field day with that. Let's just move on from this. Apology accepted, okay? What would have happened if I lost? Would you have stayed here in Memphis without me? No. We're a package deal. Wherever you go, I go. But I'm glad that didn't happen. I'm having too much fun here. I mean, I just beat Lita. I know, tonight was crazy. Do we have beat two Hall of Famers in one night on our list? If not, we should add it. Hey, good match, kid. I didn't know what to expect after you lost to a giant rib in a dance-off, but you really brought it when it mattered. Thanks. Sorry you have to leave Memphis now. I know you're a legend here, so that's gotta be tough. Are you kidding? I'm not going anywhere. Do you know how many loser leave town matches I've lost in Memphis over the years? Well, not that many actually, but still, that wasn't official. We never signed anything, did we? No, I guess not. Well, then there's your answer. Hey, you two have dinner plans? No, why? Well, you should stop by my restaurant. We have really good ribs. Ah ouais, on s'est fait avoir en fait. C'était pas un gâteau. Moi je pensais que c'était un gâteau. Hein. En fait, c'est une ribs. C'est un truc. Je crois que c'est du porc, si je dis pas de bêtises. Après, je connais pas trop. Mais j'ai vu pas mal de vidéos de Florian Nair, hein, et pas mal d'autres personnes qui font de la bouffe, qui en mangent. Mais il me semble que c'est du porc. Après, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Hein, n'hésitez pas. Et du coup, on a gagné Jerry the King Lawler. Et on a gagné aussi le stade de baseball de 2016. Allez, on continue. Well, pretty soon we're gonna have an empty arena match. Bah bien sûr qu'on va vivre le rêve de Trey. D'accord, dans son rêve, on refait le match. Gagné par tombeau soumission, pas de soucis. Et juste pour vous dire, parce que c'est un petit peu long et je me dis ça vous intéresse pas forcément, c'est que je me suis mis des aptitudes en plus. J'ai upgrade mon personnage quoi, voilà. On a gagné quelques points, j'ai fait ça pour les deux. Et normalement, bah, je devrais être plus résistant, je devrais avoir une meilleure endurance, et il me semble que Red a gagné un contre. Je suis pas forcément sûr, mais je crois. De toute façon, on verra au fur et à mesure. Mais ça, je préfère le faire dans mon coin, parce que bah, sinon ça va être un peu long pour vous, et bah, vous êtes surtout là pour l'histoire. Je sais que des personnes aimeraient tout voir aussi, mais c'est difficile de contenter tout le monde. Oh là, ah non, pas ça. Non, attends, calme-toi. Ah, merci monsieur l'arbitre de cette censure. Heureusement que vous êtes là, parce que sans vous, ça aurait été un petit peu... Eh ben, j'ai upgrade le personnage. J'ai l'impression qu'il est encore plus nul qu'avant. Alors c'est moi qui joue mal là. Je contre pas comme il le faudrait. Attention. Attends, j'arrive. Ne bouge pas. Ah, oh, mais il a toujours de l'avance sur moi. Mais c'est pas grave. Voilà, t'as beau avoir de l'avance. Et c'est vrai que ça fait très très bizarre, hein. Dès qu'il n'y a plus le public et tout, l'ambiance. Dès qu'elle est plus là... On se sent bizarre. Allez, le Spinebuster, je suis là. Une prise que j'affectionne tout particulièrement. Là, on va lui faire que les grosses prises. Et on finit par celle-ci. Parfait. Voilà, on le tape un petit peu. Ouf, bah d'accord. J'ai compris pourquoi il nous avait proposé de manger. On a un petit peu pareil, lui et moi. Tiens, allez, tentons le petit tombé. À la 1.
Eh bien, elle a un tout court. Et mon téléphone qui sonne en même temps. Si c'est pas un signe, et normalement... Ok. Ah, il m'a eu. Ah ouais, là j'avoue, je pensais qu'il allait les renvoyer, mais finalement, c'était pas cette prise que je voyais. Et bim, qu'est-ce qu'il y a? Ouh, oh ça joue au fou là. Oh là, vas-y. Et bim, voilà, magnifique coup de pied. Te laisse surtout pas faire. Allez, soulève-le jusqu'au ciel. Voilà, quelle musculature. Quel homme. Tu bouges pas, je te dis. Oh là, oh là là, est-ce que c'est pas une erreur qu'on vient de faire? Ouais. Une regrettable erreur. Ah, il va prendre des objets. Un kendo stick. Non, non, non. Par contre... Ouf. D'accord, il a le droit de prendre des objets. En même temps, c'est un match sans disqualification, donc j'aurais pu le faire tout à l'heure, ça. Mais je voulais gagner de façon... légale. On va s'en occuper. Voilà, déjà, ça c'est fait. Oh, bien joué. Je pensais pas que ça arriverait. Non, 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 arrête, arrête, ça fait mal. Aïe, aïe. Est-ce qu'on peut utiliser un quelconque pouvoir? Je sais pas ce que j'ai là, j'ai une sorte de bouclier. En même temps, j'avais pas lu ce que c'était comme... J'ai l'impression que c'est une sorte de bouclier, mais... moi, c'est pas utile ici. Oh non, là, c'est... Tu nous prends trop pour un petit joueur. Je veux bien quoi là, on soit un débutant. Oh, plus comment il pousse comme ça. T'as pas le droit. T'as pas le droit de faire ça. Il faut aussi que je mette un contre sur les sauts. Il l'a pas encore, vu qu'il est au plus bas. Oh, il nous fait mal. Monsieur l'arbitre, sauvez-nous. Sauvez-nous de tout ça. Le rêve vire au cauchemar. Et non. Quel cauchemar. Regardez-moi ça, bim. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, déjà d'une, on va prendre le... attends, hop, non, non, prends-moi ça, voilà, le chunai, le kendo stick, t'appelles ça comme tu veux, et là tu dis, oh, oui. Oh bah là, et un, et deux, oh, tu vois. Hein, c'est bon les ribs, t'aimes ça t'as dit, et... tiens les ribs, voilà, ça y est, je suis énervé, c'est bon, tu peux lâcher. Récupère un petit peu. Tout va bien. On va lui faire de toute façon. Là, on a le spécial et le finisher. On a le choix. On va faire ça. D'accord. Finalement, on va rien faire du tout. On va plutôt subir. Non, non. Eh ouais. Tu dis ça. C'est contrable assez facilement. Et là, faut récupérer un peu aussi. Ça, ça quoi, ça? Ok. Wouh! On est devenu Colossus! Aïe aïe aïe! C'est. Ah, mais si j'ai fait ça pour me faire démonter juste après? Non! Mais c'est quoi ce pouvoir? Non! On n'aura même pas vu! Ah! Bon, ça on le verra dans un autre combat. Que là c'est déjà parti. Quoique, est-ce que ça va peut-être rester? Et voilà! Position de force, qu'est-ce qu'il y a? Et bim! Oh là là! On dirait Metal Mario! Colossus! Ce que tu veux! Et là, oh, je te montre en direct. Je te montre en direct. Oh non, bien joué. Deux, ça aurait été un petit peu trop. T'inquiète, je suis résistant. Tu peux faire ce que tu veux. El Pig, il est là. Même lui, il le sait. Ouh là là, ça par contre. Voilà, loupe-toi, t'as raison. Loupe-toi, t'as raison. Loupe-toi, t'as raison. Loupe-toi. Aïe, par contre, il s'est pas loupé. Il s'est loupé un petit peu trop de fois. Il nous a laissé de la chance. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Tu vois ? Taper quelqu'un, c'est tout un art. Hein. C'est pas n'importe qui pourrait faire cela. Ah, tu veux t'aider ? En plus, il a aucun moyen de contrer. Ça nous d'en profiter. Allez hop. On montre la force. Bon, c'est clair que c'est pas forcément ce qu'on aurait dû utiliser, peut-être. Que ça prend du temps. Allez, vas-y. Refais-en une autre. Tant qu'il puisse pas nous contrer. Et je pense après on va faire un tombé. Ah, let's go King, hein. C'est ce qu'il dit. On va voir si ce qu'il dit est bon. Allez, on est prêt. C'est bon. À la 1, à la 2, à la 3. Et ben non. Ça aura pas fonctionné. Bien joué. Par contre, j'active ce contre à chaque fois là.
Mais Aïe, arrête. Je dis d'arrêter. Tu comprends pas ce qu'on te dit. Ah là. Non mais oh, viens là, debout. Malandrin. Hop là. Alors celui-là, on en a battu tellement de personnes. Et là c'est fini. Voilà. Sur ton kendo stick, on fait le tomber. Mais il a la révolte, j'avais oublié. Forcément, il y a la révolte. Mais c'est pas grave, il a peut-être la révolte, mais nous ce qu'on a, c'est la puissance. La puissance qui est contrée, bien entendu. C'est pas grave, on se laisse la faire. Bien joué. Bien joué, mon petit loup. Oh mais non, ça devrait pas être possible. Aïe, oulala. Oh bah ouais, là il m'a ralenti, je suis d'accord. Mais normalement, on n'aurait pas dû le subir, parce qu'on avait fait l'attaque avant. Ah mais là, logiquement, on a perdu là. Qu'est-ce qu'on a perdu, les petits loups. On n'a rien perdu. On va que gagner. Ah, et j'ai un peu confiance en moi, là. C'est contré, ça, non? Bien sûr, c'est contré. Allez. Ah! Contre sur contre. Non, vas-y. Oui! Ça, c'est génial, ça. Ah, le jeu est avec nous. Pour une fois. Ah, tu as dégusté tout ce que tu peux. Vas-y. Fais-lui mal. Et jette-le comme ça, là. C'est tout ce qu'il mérite. Par contre, si tu pouvais te dépêcher. Voilà, comme ça, il n'a pas le temps de contrer. Tu disais ce que tu veux. Si on pouvait finir sur une soumission, ça serait génial. Et ben non. En même temps, le soumettre, c'est pas évident. Voilà, il va vouloir prendre ça, forcément. Et on va pas se laisser faire. Voilà. Tape pas là où il faut. Bien joué. En plus, on a un spécial. Ah, c'est beaucoup plus extrême que le match qu'on aura eu devant tout le monde. Hein. Hop là. Ah oui, mais là. Là, est-ce qu'il va se réveiller tôt? Normalement, il peut pas se réveiller tôt. Hein. Faut attendre. Encore une fois, le fameux spécial. Oup, les petits genoux. Et on va aussi tenter. Non, on tente pas. Ça sert à rien de jouer avec le feu. Parce qu'on peut perdre. Hein. Là, j'avoue, c'était assez chaud, je trouve. On a gagné, mais on a failli perdre avec le Metal El Pig. Red and I ended up having a good run in Memphis, but eventually we wanted to check out some of the other indie hotspots around the country. And after a year or so of bouncing around, we made a name for ourselves in LA, where the indie scene was really taking off. That's it. I'm leaving without you. You can't do that. We're a package deal, remember? Besides, look who's headed our way. Great. I was wondering if she'd show up. Relax. I'm not here to start anything, so don't get your collective skivvies in a bunch. This is the one day to put any past differences aside and honor your achievements, so congratulations. You've earned everything that's coming to you tonight. What was that? Maybe she has a conscience after all. I seriously doubt that. Forget her. Let's get back to your story. I think LA was where I first saw you two wrestle in person. Remember? We ended up having that series of matches against each other. How could I forget? It led to one of the most embarrassing nights of my career. We'd battled each other in just about every type of match, except for one that also happened to be on the list. Wrestle in a crybaby match. And since you had the first and only crybaby match with Razor Ramon back in the day, this was the perfect time to cross it off. C'est une magnifique entrée. Arrivé avec une couche et un biberon. Ouais, pourquoi pas. Et j'ai encore upgrade un peu le personnage. Là, je lui ai mis un nouveau finisher qui pouvait se gagner et avoir un nouveau contre. Parce que je trouvais que 2, c'était vraiment, vraiment limite. Donc 3, ça devrait être bon. Parce que la plupart des superstars en ont 4. Certains en ont 5, mais c'est assez rare, hein, 5. De mémoire, moi, ça fait très longtemps que j'avais enlevé les contres. Là, pour la carrière, je laisse les contres parce que je sais que pas mal de personnes ont l'habitude de mes vidéos. En mode, je joue et il n'y a pas de contre, c'est des contres à l'infini, c'est beaucoup plus réaliste, mais dans cette carrière, je préfère laisser les contres.
C'est plus simple. Non. Oh ben, ok. Je pensais qu'on avait des jambes un peu plus longues, mais finalement pas du tout. Et j'ai du mal avec cette tenue. Je sais pas, j'arrive pas forcément à m'y faire, mais bon. Mais non, ne contre pas mon ami. Rappelle-toi, tous ces bons moments qu'on a pu passer ensemble. Et voilà. Allez, deuxième corde. Relève-toi. Debout. Comme ça, on récupère un petit peu nous aussi. C'est parfait. Et puis, ça c'est un coup d'épaule en même temps. Quand tu vois les trapèzes, les épaules d'El Pig, tu te dis, c'est un peu normal. On arrive. Et voilà, fameux coup du bélier, connu dans le monde entier. Ah, il faut descendre dans le rouge. Hein. C'est vrai que j'ai pas vu qu'il y avait une stipulation particulière. Oui, s'il vous plaît, celui qui a la voiture garée à côté de tel truc, faites attention à vous, s'il vous plaît. Non, non, là par contre, c'est un manque de respect ce que tu viens de faire. Dépêche-toi, debout. Là, tu n'aurais jamais dû. Et hop là, tout va bien. Ça m'est jamais arrivé ça, le fait qu'on dise oui, bah en même temps j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture, mais... Ça m'est jamais arrivé à moi ou quelqu'un de, à un de mes proches, que ça fasse ça. Et voilà. Pareil, tout le temps quand je vais dans un supermarché ou autre, il y a toujours, je sais pas, une famille qui perd ses enfants. Quoi. Ça m'est jamais arrivé, ça. Voilà. Il n'y a jamais eu de... Le petit Nasser attend ses parents à l'accueil. Ça m'est jamais arrivé. Après, c'est, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Un enfant qui s'égare, voilà. Ni vu ni connu. Ça peut arriver. Mais voilà. Oh, bien joué. Joli contre. Et voilà. Ah, ça y est, dans le rouge. Grimper sur le poteau de coin pendant... Alors ça, ok, on a participé à un crybaby match, mais on l'a aussi perdu. Et ça, c'est assez humiliant. Voilà, bon, j'aurais préféré gagner. Après, on est monté sur la troisième corde, capacité qu'on n'a pas encore, mais on a perdu assez bêtement, c'est pas grave. Sorry I put your friend in a diaper, but there was no way I was gonna let that happen to me again. Maybe it'll teach him to stop putting ridiculous things on our list, but probably not. Hey, this isn't public knowledge yet, so keep it on the DL. The WWE is going to be holding an all-women's tournament later this year. That's amazing! Yeah, they're calling it the Mae Young Classic. Triple H asked me to keep an eye out for talent, so I'll be watching your match tonight against Candice LeRae. Don't hold back. I never do. Oh, this stuff's all in my eyes! I can't see! I think I'm going blind. I don't know why he's so cranky. I fed him and changed his diaper. Any chance you can babysit during my match?
un match qui s'annonce bien sympa. Donc là, il faut gagner tout simplement, avec un tombé ou une soumission, pas besoin de faire d'objectif, en espérant que ça se finisse bien. Je pense que ça se finira bien. Vu ce qui s'est passé pour Elpig, normalement ça arrive à une personne et pas à deux. Ça bouge pas. Et aussi, il faudrait que je vous rajoute un compte que je trouve le moment où, enfin, l'endroit où il faut lui placer un compte. Ça serait cool. Parce que, comme je dis, avec deux, on est assez limité. Elle attend bien qu'on, comment dire, qu'on se relève pour nous attaquer. Hein. C'est assez, c'est dur. On se dit, ah bah tiens, elle va rien nous faire. Et au final, elle le fait bien. En plus, bah, en tout cas, elle nous a contré une prise puissante. On pouvait rien faire. Par contre, je me demande c'est quoi sa deuxième aptitude. Le truc Super Saiyan. Elle a l'air grave énervée. Aïe, aïe, bien joué. Après moi je dis pas non, un match tag team mixte entre elle et moi et Gargano et Elpig, c'est très cool. C'est pour que ça sera. Voilà. Alors maintenant, tu vas vite te calmer. 1, 2, 3, on y va. Voilà. Et ouais, t'as voulu jouer à ça, nous aussi, on sait le faire. Hein. On est puissante. Tiens, on va tenter de tomber au sol. Ah bah. Simplement zéro. Coup de pied dans le dos, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait toujours mal. C'est bien apprécié, ça. Ouais, ces prises-là sont assez facilement contrables. Je parle pour elle. Moi aussi, j'avoue, j'ai cru que je l'avais contré. Mais pas du tout. C'est pas la fête. What? Oh, qu'est-ce qu'elle nous fait, là? Hey, oh, bah, comment tu veux que je contre ça? La fenêtre de contre, elle était aussi petite que... Mais ce que tu veux à la fin de la phrase. Oh, c'est bon. Alors tu vas... Par contre, tu vas prendre cher. Je suis désolé pour toi. Au moins que tu prennes deux prises. Voilà. On arrive, monsieur l'arbitre. Ne vous inquiétez pas. Ah, c'est bon, j'ai dit. On est là. Pourquoi tu prends la tête? Et j'aime bien l'entrée qu'on lui a mise. Enfin, que je lui ai mise. Ça va bien et tout avec cette... Sa petite tenue d'entrée. Je voulais faire un test, parce que pour l'instant, on n'avait jamais eu d'entrée. C'est la première fois qu'on la voit faire une entrée. Et plutôt bien, je voulais laisser. Hein. Maintenant, vu que vous avez vu au moins une fois chacun, je mettrai ça uniquement dans les matchs majeurs pour un titre ou pour une occasion particulière, soit une tenue spéciale ou quoi que ce soit. Allez, vas-y. Tu peux le faire. On enchaîne avec le tombé, allez. 1, 2, simplement 2. Ouais, je sais que tu t'énerves, je sais que t'es énervé. Mais ne t'inquiète pas, ça va le faire. Bien joué. Ça, c'est ce qu'on veut, ça, allez. Une deuxième fois. Et là, on la termine comme il faut. Vas-y. Tu la mets au sol. Et là, je pense qu'on peut tenter un tombé aussi. Ou pourquoi pas faire cela. T'inquiète, t'inquiète. Je sais y faire, hein, je suis une professionnelle. Ça fait bizarre de parler en tant que femme, mais bon. Je me mets dans la peau du personnage. Et je pense qu'on a tous été un peu étonnés, moi le premier, hein. J'avoue, à chaque fois que je parlais de la carrière, je disais, ouais, je vais faire la carrière de Elpig et un personnage en plus. Et j'étais quasi sûr que bah, la carrière, il y avait une carrière féminine et masculine, mais au final, en fait, les deux sont ensemble. Donc moi, je me voyais déjà faire une carrière qui se terminerait, disons, mois de novembre, peut-être début décembre, et après, enfin une autre avec bah, avec le personnage féminin, et bah non, pas du tout. Les deux sont ensemble. Je vais pas dire que je suis déçu, hein, loin de là, mais bah, ça m'a étonné. Voilà. Et je pense que pas mal de personnes le sont aussi. Allez. Parfait. On peut le faire ici. On prend un petit peu d'élan. On y va. Le petit Kinshasa. Et on enchaîne directement. Normalement, bon, elle se relèvera parce qu'elle a la révolte. À chaque fois, j'oublie de regarder ce qu'ils ont. Il y a aussi pas mal de contres. Hein. Ouais. Si je voulais faire les choses bien, j'aurais pu très bien faire un deuxième tombé directement. Ouais. Ouh. Eh mais qu'est-ce qui t'arrive là? Ta petite piguette. Relève-toi.
Allez, debout. Voilà. On t'esquive. Allez, bien. Oh, le jeu. On va contrer cette magnifique patate. Aïe. Et non, c'est nous qui avons de la force. Allez, vas-y, bien joué. Et boum. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, là, tu vas l'enchaîner. Là, tu l'enchaînes. Bon, ça, ça va bien passer, hein. Non, 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 c'est une erreur ce qui vient de se passer. Est-ce que t'as pas un bug quelconque? Oh non, là, on va déguster. En plus, on peut pas s'échapper, quoi que ce soit. Prends ton temps, voilà. Ramène-nous où tu veux. Ah, en plus, elle a son spécial. Mais vite, faut qu'on puisse contrer, là. Faut qu'on puisse contrer, absolument. Et voilà. On peut pas contrer, on peut rien faire. Allez, relève-toi, relève-toi. Je sais que tu peux te relever. Je sais que tu peux te relever avant qu'elle fasse quelque chose. Bien joué. C'est ça qu'on veut. Relève-toi, dépêche-toi. Hop. Nous aussi, on a le spécial. Là, ça fait un peu peur, hein. Parce que... on peut vite se faire avoir assez bêtement. Ok. Même si la caméra n'était pas... c'est pas parfaite. Allez. On est dans un bon tempo, là. On peut tenter le spécial... okay. C'est pas contré. Et on va enchaîner avec le tombé. Elle a rien pour se libérer normalement. Et même si elle se libère, on aura l'occasion de faire le finisher. Et de 1, et de 2, et de 3, victoire. You two are great, so I wish I could recommend you both for the Mae Young Classic, but Hunter said they're only looking to fill one spot right now. You're really milking this decision. Get it? Because the crybaby match earlier? I've been hanging out with Trey too much. Please, continue. I'm gonna have to recommend Candace. She's been doing this for over 15 years. Red, you've got a ton of potential, but you don't have anywhere near that kind of experience. Yeah, totally. I get it. Thank you so much for this opportunity. I'm sure we'll see each other again in the future. Like he said, I've been doing this a really long time, and you're one of the best I've ever seen, and you're only gonna get better. I appreciate that. I gotta go call my husband and tell him the good news. No guarantees, but I'll definitely keep you in mind if WWE ends up doing this tournament again. Give me your contact info before you leave tonight, okay? I will. Thanks. Hey, I overheard what Xbox said. This is just a bump in the road. And tonight wasn't a total loss. At least I get to cross off wrestle in a crybaby match. Give me that. Ugh, it smells like butt sweat. I told you not to keep the list in your tights. Cost of doing business. Win Mae Young Classic Tournament. See if you can air that out. As our indie journey continued over the next couple of years, we got to have matches in a lot of cool places. But the one that stood out most was when we got to do a special show back in our hometown. You've got to be kidding me. And we thought our head couldn't get any bigger. You know what? I'm not going to let a stupid sign ruin this for us. Let's go. This was our chance to show our friends and family just how far we had come. Well, at least our friends. Et voilà les petits loups, c'est la fin de cet épisode numéro 4 ou 5, je ne sais plus très bien. Je suis un peu perdu parce que là, tout ce qui s'est passé, je vais récapituler tout ça durant le prochain épisode parce que celui-ci aura duré pas mal de temps à la capture. J'espère qu'il vous aura plu parce qu'il s'est passé pas mal de choses, pas mal d'histoires et on aura porté une couche. Du coup, ça, c'est assez épique. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et puis c'est tout. Allez, salut!